Wayne, guide us. C'est pas grave, avec un peu de chance, je vais skipper la deuxième random encounter. Ça va compenser mon erreur. Ça va être bien. Wow, on m'attaque par surprise. Et une escape fail, oh là là. 3 combats, 2 escape fail, on est pas mal, on est pas mal. J'essaye de finir, ça me permettra de savoir si on a assez d'argent ou pas. Timer, on s'en fiche un petit peu. I'll do my best.
on peut souvent faire plus tard. Alors que j'avais 15 secondes de retard. Sinon c'était un sub 5. Protect us. My turn now. There is no choice. My turn. Pas vérifier si j'ai eu un drop. Vraiment, j'y pense à vérifier si j'ai eu ce drop. Très important. Ça me ferait gagner quelques secondes. Bon, je suis toujours devant le PB. Il y a eu des escape fail.
think this one will listen to reason. I'll do my best. Ah mais il est pas break. Ah bah ouais, bah oui forcément. Invocation des vents? Non, c'est trop demandé. Quoi ça? Sans déconner. Quelle faille de merde. C'est pas grave. On peut quand même pibi malgré tout ça. Je revois le fight de Russell. Je sais pas. Oui, figuration et désarmement. L'aptitude de soutien. Malheureusement.
viens de regagner 2 minutes. C'est là. Thus ends your lesson. Forcément, voilà ce qui arrive quand on essaye de longer les murs. Ouais, c'est pas grave. Thank you.
est où là? Deux fois. Ensuite là. Thank you.
Et en avant-dernier. Pas d'Alia. Bon, je sais pas ce que ça a donné. J'ai perdu beaucoup de temps sur Russell. Je dirais environ une minute. Parce que j'ai eu une mort. Enfin, Cyrus, il est mort. Par contre, après, j'ai eu un Kate. Donc du coup, je ne sais pas trop. Je pense que j'ai gagné le temps, j'ai perdu, mais pour l'instant, je me rends pas vraiment compte. Ton exploration s'est plutôt bien passée. Donc pour l'instant, j'ai encore un peu du mal à évaluer le temps. C'est pareil du coup avec le kite, ça va être faussé, je sais pas, je voulais justement voir comment j'étais niveau thune. Donc là je pense que je suis plutôt large. Je sais pas si je le serai toujours. J'ai pas réécrit TP dans des flammes. Bon, c'est pas grave, je le sais maintenant. Faut juste que je le remette dans mes notes. Ah, je suis devant mon PB. Ok, ok. Mon micro est qu'à gauche. Ah, merde. J'essaye de m'efforcer de ne pas regarder mon timer ni la vidéo de mon PB. Donc voilà. J'ai pas marchand, du coup je peux tenter la fuite. Très bien. Bon, je sais bien que c'est une erreur, mais ça m'évite un extra menu en fait.
Ouais, je sais, je sais. Mais du coup, ça me fait descendre sur le menu marchand, alors que la TP, j'ai juste appuyé sur moi, en fait. C'est ce que je parlais dans les extra menus. Et ça, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'en appuyant sur la touche moins, on avait accès directement au menu de l'ATP. C'est 2 secondes plus rapide, je pense. Par contre, du coup, bah, tu peux pas faire de menu supplémentaire. X et moins. Colis Donat BP, objet infini. Ah, Donat BP, ouais. Enfin, pas spécialement utile, j'ai l'impression. Acolyte, oui. Donat BP, je vois pas quoi ça me servir. Objet infini, à part en backup. Normalement, j'ai ce qu'il faut au niveau pierre. Ouais, je souhaite me retrouver des pierres en trop. Let's get this over with. Normalement, je pense qu'il faut au niveau pierre et je compte pas justement avoir. Je verrai bien, j'analyserai après la run de toute façon, voir ce que je peux optimiser, voir ce que j'ai raté. Parce que là, j'ai encore du mal à réfléchir à ce que je peux faire pendant la run, en fait. Alors, et là, je fais le menu ici, en fait. Non, c'est pas ici que je fais le menu. Putain, attends, c'est où? Ethereum, on peut pas prendre Vitriol ici. Qu'est-ce que j'ai bouiné, moi, encore? Ah, tant pis. Allez. Je vais t'écouter. Titule, équipé. Ah, c'est pas optimal encore, ça me saoule. Parce que là, du coup, j'ai marqué que Therion apprenne Vitriol, mais il paye pas 30 ce compte boss. Donc, du coup, il peut pas l'apprendre là. Je suis obligé de faire un extra menu juste pour apprendre Vitriol. Ah, bah non, mais je suis con. C'est sur l'extra menu que je dois apprendre Vitriol et puis marchand en même temps, en fait. Juste avant d'aller au prochain boss. Je suis con, moi aussi. Faut que je change mes notes. Il a 30 JP, même 33. Sérieux? Ah oui, si. Bah voilà, c'était ça. Voilà, tu vois. Je me fais pas confiance, en fait. C'est ça le problème, c'est que je me fais pas confiance. Si je l'écris dans mes notes, c'est qu'il y a une bonne raison, tu vois. Et comme je dis, j'ai du mal à réfléchir pendant que je run. Bon, c'est pas grave. Je refasse encore un menu supplémentaire. Tant pis, ma faute. Faut que j'apprenne à me faire confiance. Et
comme je disais, en fait, je voulais optimiser les menus à la base, apprendre marchand, vu qu'on va dans classe, je voulais apprendre les skills en même temps que de mettre la classe en fait. C'est pour ça. Alors, acheter. Dernier. Bon, par contre, le scrutage à 72%, j'ai eu la troisième tentative. Ils cassent les couilles, les mecs. Hein. Alors, ici, j'espère que je vais l'avoir first au moins. Ça compenserait. Non. Deux. Ok, deuxième try, ça me va. Ouais, voilà, c'est ça. C'était ça l'idée à la base. J'ai dû mater ta vidéo de Galdera sans trop me spoil pour que je refasse les notes du combat de Mathias. J'ai galéré pour refaire le combat des deux acolytes, mais c'est pareil, je me suis servi de ta vidéo de Galdera, classe. Servi aussi pareil ta vidéo de Galdera pour regarder comment tu fais. Tu m'as dit que c'était quasiment similaire et du coup bah j'ai presque fait un copier-coller. Parce que comment il s'appelle mon Cyrus, il tape pas aussi fort que le tien. Du coup j'ai du backup. Alors ici. Là, je pense que les notes elles sont pas mal. J'ai recompté les pierres, j'ai recompté les grenades. Normalement, je suis bon. Il n'y a que pour les sous où je suis vraiment pas sûr. Mais bon, c'est pas cette run là qui me le dira. Mais bon, si elle va au bout, tant mieux. Tôt, ça sent pas bon. Oh, en plus, on m'attaque par surprise. Ouh, aïe, 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 aïe. Ça a level up. J'ai juste pris un petit peu tôt, ça me fait un petit peu chier. J'espère que t'es pas mal. Ça a marché. Ok. Alors, le boss. En premier, Hyperion, double attaque épée. Première sacrée, Death attaque. C'est aussi Death. Elle, lumière sacrée. Et c'est ça, elle attaque. Donc avec la lance. Ok, tour de figuration. Hyperion vitriol. Dev. What to do? Well then. No, you will not. I'll do my best. Here I go.
my turn. C'est fulguration max. Pierre venger. Take this. Soma. Heureux Soma. Non mais j'ai scruté le mec à l'extérieur donc ça va se faire au niveau du Havre d'Or. Et si c'est 11 000 normalement, normalement je devrais être bon niveau thune. J'ai juste fait le scruting axe du mec à l'extérieur de la ville, c'est tout. Donc je le ferai sur le Havre d'Or en fait. Donc du coup j'avais besoin de deux pierres G à la fin sur Mathias. Normalement je vais en avoir deux. J'ai fait ce qu'il faut pour. Alors acheter. Tac. Non. Normalement c'est pas mal. Alors ici prends un foudre. Au mec qu'on récupère le coffre, je sais pas forcément dans quel ordre. C'est 11 000, ok. Allez, on va à l'église. Voilà, c'est ça. Je termine la quête pendant le chapitre 3, donc là on est bon. Putain, 11 000, je pensais pas que ça donnait autant, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc elle, ce côté. Parfait. Idée. On est à l'église. Putain, c'est vrai, ici, je me fais baiser à chaque fois. Alors, ensuite, grotte du littoral. Donc, c'est là où j'ai des morts sur mon PB. Je vais essayer cette fois, je vais faire un 7 quit. Et pour les prochaines fois, je ferai pas de 7 quit. Ça perd quand même 20 secondes. Une encounter, ça perd 50 secondes. Donc au final, je vais gagner 30 secondes, mais bon. Pour l'instant, ça va être pas mal. Jusqu'à temps que je maîtrise mieux mes trajectoires. Voilà, il faut que je me prenne de route. Et ça se trouve, je vais quand même prendre la random encounter. Peut-être pas, j'ai des pas en moins. Comme d'hab, on suit les lumières.
N'oublie pas le coffre. Donc le boss, normalement si j'ai pas fait d'erreur. Ensuite, Dandy. Je sors mes mortes que mes notes. Aptitude marchand, acolyte Dandy. Voilà. On va mettre ça. Et Tressa Def. Alors, aptitude marchand. J'en ai marre d'être con. Donc ouais, mes notes étaient pas finies. Il manquait un truc sur mes notes encore. Ouais, c'est pas grave, Dahlia, c'est pas grave. Donc, comme je dis, je suis encore débutant, faire des erreurs, c'est normal. Ce que je veux, c'est pas trop me faire bourrer par le jeu, quoi. J'accepte de faire des erreurs. Évidemment, j'accepterai peut-être plus, tu vois. Mais j'accepte encore de faire des erreurs. Alors, salut Pépé Loutre, comment vas-tu? GG Soma pour level up. Allez, on prend les mêmes, on recommence. Alors, vite fait, après deux, celui de gauche. Ça. Ensuite, Tressa Def. Pas même que ça. Tonifiant M. Tressa. Et marchand. Vite, bandit. On a donné très ça. Alors, elle est def. C'est une marchand acolyte mercenaire. Ça break. Une marchand acolyte vétéran. Et là, normalement, j'ai fait une pierre 2 ou une pierre 1. Donc, c'est vengé. Objet. Take this. Et pour le deuxième, vent M. Foudre M. Voilà. Donc comme j'ai dit, je suis bon au niveau des pierres. Oui, voilà, c'est ça, on va garder le good luck pour la prochaine run. Mais comme je disais, l'objectif c'est de terminer pour tester les notes, tout ça, tout ça. Et j'ai encore des erreurs dans mes notes, donc il faudra que je corrige ça.
skip Cyrus ou pas. Ah, il est trop pété Cyrus. Alors ici. On va se TP à Digudine, mais avant ça. Encore deux skips. Voilà. Lui. On récupère la deuxième, la dernière pierre dont j'ai besoin. Voilà, ensuite TP Dingedin. Voilà. Recruter une nana. Vider. Et on y va. Et donc en fait cette pierre là elle est plus rapide que celle de la forêt les chercher. Si tu te posais la question. Donc c'est pour ça ma route des pierres je trouve qu'elle est bien optimisée. C'est pour ça que j'ai pas forcément besoin de d'objets infinis. J'ai juste peur d'oublier des choses comme c'est la première fois que je le fais. Bon après oui forcément si je m'économise une pierre G, j'aurai pas besoin d'aller chercher celle-là, ça me gagne 5 secondes quoi. 7 secondes peut-être. Donc après, est-ce que faire les menus supplémentaires pour me mettre objet infini, est-ce que ça va pas me coûter quasiment autant de temps que ça me ferait gagner? Putain, j'ai super chaud ce con. Et donc là, si, il faut prier. Oh, vous avez pris l'ennemi par surprise, impeccable. Voilà, donc du coup, j'ai pas besoin de faire appel. Normalement, c'est la fuite à 100%. Par contre, je me trouve que je suis super loin. J'espère que ça va aller. Ok, c'est passé. Ouais, c'est ça, je vais faire mon menu en un seul. Je vais pas me mettre objet infini, parce que je pense que le temps perdu à me mettre objet infini. Ici, du coup, j'ai une pierre, mais je vais pas la prendre. Alors, du coup, on va vendre. Digimi, ça y est, j'ai ce qu'il faut. Je vais pas la prendre, j'en ai pas spécialement besoin. Ça va pas spécialement me gêner dans mon inventaire, mais de toute façon, je pourrais même pas l'utiliser. Et normalement, avec deux pierres G, ça passe. Bon, et juste le boss final, 50%. Voilà, ça va juste être ça, le seul quad de la run. Mais bon, on n'a pas le choix. On peut pas le mettre à 100% comme les autres. Ouais, c'est ça, j'ai eu un Kate avant le Whistlewood. Exactement. Donc du coup, c'est pour ça que ça me fausse un petit peu dans je dirais, dans mon routing d'argent. Mais si la quête me rapporte 11 000 en plus, normalement, il n'y a pas de raison. De toute façon, on se fait pas 11 000 avec Tressa. Je sais pas pourquoi je suis toujours un peu ici de prendre une random encounter. Parce que ça m'est déjà arrivé deux fois d'affilée de prendre une random encounter ici, donc du coup je suis toujours un peu. Ouais c'est ça. Coffre de Whistlewood 1500, la confiture 1500 et normalement les deux Zigoto qu'on combat à la queue 3. Il me lâche un objet qui se revend 1500. Je vais re-sauvegarder. Juste pour être safe. On a rené loin d'être propre.
Voilà. Bon, normalement pas de minus supplémentaire. I will not lose to you. Alors. Out of my way. Let's do this. Supérieur comme par hasard. Normalement ça passe sauf si on attaque très ça. Merci. Ah il est mort, ok, c'est pas grave. Olivita, j'aurais dû faire droite, ça aurait été plus vite. Un machin acolyte, ça des vétérans. Le noob. Le noob. Quel noob. Putain, ça m'a fait regarder mes speeds, j'ai trop de pression maintenant. Bah, je reporterai mes temps après, de toute façon. C'est pas un souci. Ah, heureusement il y a des dialogues ici, putain. En ce qui prend, ça m'a fait remonter trop. Alors Mathias, fais pas le con Raymond. Un petit personne. Alors, aptitude érudit, vent glacial. Non. C'est pas grave. On se calme. Vite créole du niveau. Putain, en plus j'ai un bon turn, en plus c'est chier. Alors, Tressa. Grenadier, Ophelia. Calme. Ophelia, elle va être défaite. Non, tu ne vas pas. Ouais, ça va passer. Hein. Tressa. Le carnage. On verra bien de toute façon si mon erreur est ma pune ou pas. Vite, ça de vétéran. Quoique, si j'avais pris la pierre, ça m'aurait peut-être sauvé la run. Là, j'ai rien du tout. Ouais. Un colis, celle d'un vétéran et la pierre qui m'a sauvé la run. Non, ça passe. Ça passe. Bon, j'ai spité un petit peu tard, mais bon, c'est un pibi. Voilà, c'est un pibi. Merci. Oh, putain. Il y a encore des erreurs. Non, j'ai clairement pas le niveau. Ça demande trop d'exécution pour... C'était même un tout petit peu plus tôt. C'était à la fin du... Bon, c'est pas grave, on va dire. Même j'ai loupé une seconde, tant pis. Faut juste que je change mes notes. Alors, ici, donc c'est très simple. Flash, Ophelia, Marchand, Acolyte, Terrion, Vitriol, TP, Pafton. Voilà. Ça me va comme ça. Donc je fais qu'un seul menu pour ça. Regardez si je peux pas le faire ailleurs ce menu. J'ai l'impression que non. De toute façon, je dois me TP à Pafton, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, très propre à la fin de run. C'est juste qu'est-ce qui s'est passé. Bah, le reset. Ouais, le reset il m'a coûté. J'en sais rien, peut-être une minute.
Donc c'est dire que j'aurais pas été en Subinor quoi qu'il arrive. Faudra que je revoie tout ça. Il me manque beaucoup de speed. Hein. C'est plus beginner friendly que sans les anneaux, ouais. Bah après, comme tu disais, c'est quand même plus long quand même. Hein. C'est quand même plus long. Je sais plus comment t'avais dit, 35 secondes. Après, franchement, 35 secondes quand tu débutes, c'est worse. Donc on peut tout à fait le mettre sur des notes débutants. Donc les notes débutants, les notes avancées. Pour moi, je trouve qu'elles sont tout à fait OP. Pour des notes débutants, il y a juste que mon fight Russell qu'il faut que je revoie. Parce que j'étais pas satisfait de mon fight Russell, j'ai dû break 3 fois avec une mort de Cyrus. Donc du coup, il faudra que je revoie le fight. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, tu vas peut-être me dire d'où venait l'erreur. Donc du coup, sur Russell, Ophelia elle appelle premier tour. Cyrus il boule de feu. Pour commencer à break les boules de glace. Ensuite, tour 2, Cyrus il agit en premier. Il fait boule de feu, il break. Et Ophelia il fait la stone. Ensuite, tour 3, je fais boule de feu max. Donc boule de feu 4. Et lumière sacrée 4. Et ensuite, Cyrus il meurt parce que du coup il meurt pas en fait sur. Ces trois premiers tours et du coup Cyrus il meurt, donc du coup à savoir si je peux pas faire de heal parce qu'Ophelia premier tour elle fait appel, à la rigueur si elle agit avant Cyrus elle peut heal. Faut faire deux stones, mais la deuxième stone je la prends où? Du génie d'oublier le speed, j'étais persuadé que t'avais deux speed. Quand elles sont break, il faut utiliser deux stones, mais j'en ai qu'une. J'ai que celle du scrutinize du garde. C'est tout ce que j'ai en stone. Ah, j'avais pas vu que vous alliez prendre le coffre à droite de Russell et ça occasionne pas un combat supplémentaire d'aller chercher le coffre à droite de Russell. Ah, voilà ce qui me manque. Coffre. Bon, du coup, ça dépasse un peu, mais bon, c'est pas vrai. Je vais le mettre sur. Russell, il y a peut-être deux ailes. Pas trop comment ça s'écrit. Donc j'avais pas vu que vous alliez prendre le coffre. J'ai mal regardé, c'est ma faute. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Ouais, ça dépend de tes trajectoires, je pense, parce que des fois je suis obligé de tourner en rond juste avant Russell pour avoir le deuxième. Donc on peut l'avoir en deux. Et donc du coup, bah comment ça se passe Donc tour 2. Tour 2, si Ophelia elle agit avant Cyrus, elle peut lancer un heal parce qu'elle sent pas encore break. Je pense. Heal ou def. Voilà, moi ça me paraît pas mal comme ça. Heal ou def. Heal ou def si elle agit en premier. Et non, pas def. Non, pas du tout def. Donc heal ou stone. Bon, je mets à jour pendant les crédits de fin, vous inquiétez pas, je relance une après. Heal bâton sinon stone. Ouais, ouais, c'est ça. Heal bâton sinon stone. Donc c'est heal. Bâton. Ou stone. Cyrus. First. Ok, ensuite Cyrus tour 2, donc boule de feu. Donc tour 3.
Stone Stone. Je pense. Ça va être des crêtes. Parce que j'ai téléchargé tes notes, mais j'ai du mal les lire parce que j'ai rien compris du tout. Alors que c'est pas mal expliqué, c'est juste moi qui des fois m'embrouille un petit peu. Oui, voilà, c'est ça le problème que j'avais, c'est que bah, elles étaient pas mortes après la première stone en fait. Cyrus. C'est que des stones lumière, je pense. Ouais, je vais faire Ophelia, Cyrus. Slash. Cyrus. Stone lumière. Tour 4. Cyrus, boule de feu. Ophelia, lumière sacrée. Et du coup, est-ce que ça tue tour 4? Est-ce que ça tue tour 4? Oui, ça tue tour 4? Avec boule de feu, De toute façon, on peut pas le break.